L'Arbolèse Narbonnais. Depuis mardi, le confinement est de rigueur. Il doit être respecté. Respectez-le. Si vous avez besoin de sortir, munissez-vous de votre autorisation de sortir. N'oubliez pas de ne le faire que si cela est nécessaire. La ville de Narbonne, depuis mardi, a mis en place une cellule de crise, tous les jours. Elle maintient les mesures prises et elle affine celles-ci. Les agents de la police municipale sont disponibles tout au long de la journée pour assurer les patrouilles. Les agents du CCAS, que je tiens à remercier, les aides à domicile, apportent leur concours auprès des personnes isolées et fragiles. La mairie, comme tous les autres lieux, sont fermés au public. La mairie répondra à vos doléances et à vos demandes au 04 68 90 30 30. Pour le personnel soignant de l'ensemble de la Narbonnaise, la crèche des Primes Verts à Horteneuve, l'école de Saisely et l'école de Jules Ferry sont ouvertes pour leurs enfants, dans la journée, prochainement, pendant les week-ends. Des mesures spécifiques ont été prises concernant les halles, où seulement 100 personnes sont mises en même temps. Les marchés de plein vent, où les étals doivent respecter les distances, mais vous aussi, respectez les distances de sécurité. Le marché bio est transféré le samedi devant les halles. Le marché de plein vent alimentaire du plan Saint-Paul, le jeudi, est transféré devant les halles. Les marchés, du marché au blé, de Saint-Jean-Saint-Pierre ou de Razembeau sont maintenus, mais respectez les consignes de sécurité. Les parkings de surface sont gratuits depuis mercredi. Les espaces verts sont fermés par des sports, parc de la Révolution, plan Saint-Paul, jardin des Vicomtes et jardin des musées. Mais respectez les autres consignes. N'allez pas au parc de la campagne, n'allez pas à la nautique, n'allez pas à la bonne plage sur la plage ou sur le front de mer. Respectez les consignes de confinement. C'est difficile, c'est dur, mais c'est par ce biais-là que nous arriverons à maîtriser la propagation du virus. Je tiens à remercier chaleureusement et très sincèrement l'ensemble du personnel municipal qui se rend disponible pour vous accompagner, pour vous permettre d'avoir un certain confort de vie. Je remercie tous ces agents d'être dévoués pour permettre aux mesures de confinement d'être appliquées et respectées. Je vous donne rendez-vous sur le même site, de la même manière, pour d'autres informations. La cellule de crise est activée, elle va mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour que le confinement soit une règle de principe afin que ce virus sournois ne vous attaque pas.